Chers frères et sœurs et amis de partout dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je suis Inansu Merilien, votre serviteur infatigable. Je suis le serviteur de Dieu, un esclave du Seigneur et un étudiant. Ce matin, j'ai un message pour vous sur la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, je vous invite à faire la lecture de la parole de Dieu avec nous dans Matthieu, le chapitre 28, versets 1 à 10. Et 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 1 à 8. Je vais lire pour vous. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, déroulait la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Parole du Seigneur. Nous allons tourner la page en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 à 8. Dans les versets qui suivent, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Et si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois. Dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8 pour finir. Après eux tous, c'est ce que dit Paul, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est ce que dit la parole de Dieu. Une fois des plus frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à suivre mon exposé pour aujourd'hui. À travers les passages lus, nous allons traiter un sujet pour aujourd'hui. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité au siècle des siècles. Il n'est pas dans le tombeau.
à savoir Jésus-Christ, il est ressuscité au siècle des siècles. J'ai toujours quelques refrains appropriés à chanter, surtout au moment de la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. C'est une petite chanson habituelle. Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est sorti du tombeau, il est ressuscité pour nous. He's not in the tomb again. He's not in the tomb again. He's not in the tomb again. He's alive forever. He's not in the tomb again. He's not in the tomb again. He's not in the tomb again. He's alive forever. Li pa nan tomb la encore. Li pa nan tomb la encore. Li pa nan tomb la encore. Ressuscité pour toujours. Li pa nan tomb la encore. Li pa nan tomb la encore. Li pa nan tomb la encore. Ressuscité pour toujours. C'était une très belle petite chanson appropriée avec ce moment précieux qui est le moment de la résurrection de notre Jésus-Christ, le Sauveur. Le thème du serment du jour, comme je vous ai dit précédemment, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité au siècle des siècles. L'objectif du message du jour, il existe trois temps principaux. Parmi ces trois temps fondamentaux, Dieu les utilise pour diriger l'homme. Nous avons déjà passé les deux et notre futur est plus assuré en Jésus-Christ. Je vous invite à écouter mes propos au sujet de l'expression résurrection de Jésus-Christ. La résurrection est le retour à la vie d'une personne morte. La résurrection de Jésus-Christ, après son œuvre expiatoire sur la croix, qui est le fondement du christianisme, sans elle, il n'y aurait rien de salut. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Elle est la réalisation d'une prophétie de l'Évangile. Et nous continuons à lire un autre passage que nous trouvons, c'est le psaume 16, le verset 10, qui dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » C'est que la prophétie de David concernant de Jésus-Christ. Et dans Isaïe 53, le verset 10, Isaïe a dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Et ces prophéties annoncées seront sûrement accomplies lorsque Christ viendrait de naître et mourir pour l'humanité. Et maintenant, le tombeau est vide. Il est ressuscité, tout est accompli. Il est vivant au siècle des siècles. Oui, il est vivant au siècle des siècles. Jésus est ressuscité. Il est vivant
au siècle des siècles. Le sentiment écrasant de défaite et de désespoir enveloppa les disciples de Jésus lorsqu'il les a appris ces paroles. Il faut que le Fils de l'homme soit souffert par les principaux sacrificateurs juifs, tandis que celui-ci souffrait et mourait sur la croix, et que son corps sans vie était mis au tombeau, malgré ce que le Seigneur leur avait dit à plusieurs reprises de sa mort et de son retour à la vie, ils n'avaient pas pu comprendre. Pourtant, l'après-midi ténébreux de sa crucifixion fut vite suivi du matin glorieux, du matin joyeux de sa résurrection. Mais cette joie ne produisit que lorsque les disciples devinrent les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Spécifiquement, les femmes, les maris cités dans le passage précédent, qui ont beaucoup aimé le Seigneur, car au début, même la déclaration des anges qu'il était ressuscité était incompréhensible pour les disciples. C'était une chose qui ne s'était jamais vue et entendue. Très tôt ce dimanche matin, Marie de Magdala et quelques autres femmes fidèles se rendirent à la tombe du Seigneur, apportant des aromates, oui, et des parfums, pour terminer l'embauchement commencé. Lorsque le corps du Seigneur avait été placé à la hâte dans le sépulcre, avant le début du sabbat. Ce matin ainsi, elles trouvèrent le sépulcre ouvert, la pierre ayant été roulée, et les deux anges du Seigneur s'assis dessus, qui déclarèrent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est ressuscité? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, pour qu'il soit crucifié et qu'il soit ressuscité le troisième jour. » Cela bouleversait les disciples de Jésus lorsqu'il a appris que leur maître va souffrir entre les mains des pécheurs. Maintenant, les trois raisons pour lesquelles la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre vie chrétienne, nous allons constater ensemble et vivre ces trois aspects: le présent, le passé et le futur de ce fondement. La résurrection de Jésus-Christ atteint chaque portion de notre vie. Oui, je reprends. La résurrection de Jésus-Christ atteint chaque portion de notre vie. Le présent, le passé et le futur. Le passé au travers du plan de la résurrection. Le passé au travers du plan de la rédemption. Le présent en vivant chaque jour de la grâce de Dieu. Et le futur, puisque nous avons l'assurance du salut et la vie éternelle en Jésus-Christ, selon la parole de Jésus: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Selon Jean, le chapitre 11, verset 26.
Quelle promesse fiable, incommensurable et incommensurable, immensurable, venant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle promesse fiable, immensurable, incommensurable, venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une promesse sûre. Ce qui est la joie de mon cœur, frères et sœurs, c'est parce que cette promesse n'est pas humaine, mais elle est christologique, elle est christocentrique. Car sa parole nous a révélé dans Hébreux, le chapitre 13, verset 8, l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'est pas un Dieu temporaire, mais il est un Dieu de tous les temps. Notre Dieu n'est pas un Dieu éphémère, temporaire, car ses promesses sont certaines et vraies. Nous allons vous agréer aujourd'hui les trois caractéristiques pivotantes de notre sermon du jour, qui sont notre passé, le plan de la rédemption préparé depuis longtemps. Deuxièmement, notre présent, une dépendance totale à Christ tous les jours de notre vie. Finalement, notre futur, nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Si que j'ai la chance, si ça ne vous dérange pas, accordez-moi, s'il vous plaît, votre attention. Soutenu à mon nommé du jour. Premièrement, notre passé, le plan de la rédemption préparé depuis longtemps. À cause du péché, nous avons été séparés de Dieu et nous ne sommes pas dignes ni mérites de son royaume. D'après Romains, le chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a conçu un plan de rédemption pour l'humanité en envoyant son propre Fils unique, Jésus-Christ, dans un monde méchant et cruel, en allant aux bois infâmes du calvaire pour payer le prix de la rançon de nos péchés. Lui qui n'a rien connu de péché, étant Dieu qui se fait chair, grâce au sang de sacrifice à la croix, nous avons été justifiés, ce qui signifie être déclarés justes par le Seigneur Dieu. La Bible nous déclare clairement que ce n'est pas parce que le Christ que nous pouvons venir au Père des cieux. Ce n'est que par le Christ que nous pouvons venir au Père des cieux. Lisons ensemble dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 14, verset 6. Nous lisons ce qu'il dit. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est la provision que Dieu a préparée pour nous d'avance. C'est de cette provision de rédemption que nous avons le salut, la vie éternelle. C'était notre passé. Un plan de rédemption a été préparé depuis longtemps pour sauver l'humanité perdue dans le péché. En effet, puisque dans le passé, Dieu nous a préparé un plan de rédemption depuis longtemps, par le sang précieux de Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, nous avons le salut et la vie éternelle. Par contre, c'est quoi pour nous notre présent? Maintenant, c'est la deuxième caractéristique pivotante de mon sermon du jour. Notre présent,
une dépendance totale à Christ tous les jours de notre vie. Le présent, une dépendance totale à Christ tous les jours de notre vie. Grâce à la résurrection de Christ, nous avons le même pouvoir que Dieu a utilisé pour faire sortir Jésus du tombeau, afin de vivre une vie de chrétienne. Il est complètement difficile de vivre une vie chrétienne par nos propres efforts, par nos propres capacités, par nos propres forces. Mais si nous dépendons de Dieu le Père, il peut nous donner la force nécessaire pour rester dépendants à lui. En Christ, nous devenons des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, le verset 17. Tout cela est possible. Seulement, le moment où Dieu, où le Dieu Tout-Puissant vient vivre en nous et nous remplit de la puissance de la résurrection qui se trouve dans le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, vous avez l'occasion pour vous demander cette question. Est-ce que Christ est-il toujours ressuscité dans votre vie? Est-ce que vous vivez pour le Christ, pour le Seigneur, pour lui plaire en toutes sortes? En témoignage, en comportement, en façon d'agir? Est-ce que vous vous vivez pour séduire, trahir, détruire les autres chrétiens ou non? Ou l'Église de Jésus-Christ? Quel que soit le type que vous êtes, soit les pasteurs, les prêtres, dames et hommes missionnaires, évangélistes, membres de l'Église et autres. Est-ce que votre façon d'agir témoigne la grandeur de Dieu dans votre vie spirituelle et dans votre vie d'entourage? Est-ce que toute chose est toujours nouvelle dans votre vie à Dieu? Ne mentez pas et dites la vérité à vous-même et aux autres. Pendant qu'un personnage spirituel et invisible vous écoute, est en train de vous regarder et de vous entendre, ne mentez pas et dites la vérité. Car on est un personnage spirituel. Est en train de vous regarder et de vous entendre. Donnez à Jésus une chance d'être toujours ressuscité dans votre vie, pour être toujours resté éveillé, pour avoir une oreille attentive et spirituelle, pouvant entendre le son de la trompette de Dieu lorsque Christ reviendra chercher son Église. Si le présent nous a permis d'avoir une dépendance totale à Christ, nous vivons par sa grâce, grâce à la résurrection de Jésus-Christ du tombeau. Eh bien, qu'en est-il notre futur? Finalement, pour notre futur, nous n'avons rien à craindre, car tout est déjà réglé. Pour notre futur, frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre, car tout est déjà réglé. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 14, nous lisons ceci, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. » Non seulement la résurrection de Christ influence notre passé et notre présent, mais
C'est la garantie de notre avenir qui est en question maintenant. Oui, mais c'est la garantie de notre avenir qui est en question maintenant. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en tant que chrétiens, nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons à craindre la mort. C'est une faute. Oui, c'est une forte déclaration de foi. Lorsque le chrétien dit, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons plus à craindre la mort. C'est une forte déclaration de foi. Parce que nous avons l'espérance qu'un jour, nous serons avec Dieu pour toujours. Lorsque nous nous repentons, nous plaçons notre confiance en Jésus et nous lui demandons de nous sauver et de venir vivre dans notre vie. Nous recevons de lui le don de la vie éternelle et la certitude d'entrer au ciel très bientôt avec lui. Il en est de même que Jésus-Christ est mort et ressuscité. De même pour ceux qui meurent en croyant en lui, ils se relèveront de la mort un jour pour être amenés au ciel avec le Seigneur. Il y a des textes qui sont des preuves de la résurrection de l'Église, pardon, des textes qui sont des preuves de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Si nous lisons 1 Jean le chapitre 14, versets 1 à 3, la parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58, nous lisons la parole de Dieu. Il dit, voici, je vous dis ce mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible sera revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Ces passages pivotants que nous venons de lire décrivent exactement ce qui concerne l'efficacité de la résurrection de Jésus-Christ et l'enlèvement de son Église qui aura lieu à un moment soudain lorsque Christ reviendra pour rassembler et amener au ciel tous les rachetés ou tous les adventistes
qu'ils soient morts depuis longtemps comme Adam et ceux qui seront encore vivants. Alors lorsque je dis les Adventistes, ce n'est pas la religion d'Adventiste que je parle, mais ce sont les noms donnés à ceux qui font partie de l'Église universelle, qu'ils attendent le retour de Christ et qui sont aussi les synonymes du mot « racheté ». Je pense que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Par conséquent, nous avons été vécu le passé. Puisque Christ est venu et souffert pour nous à la croix, il nous a donné le salut et la rédemption. Le présent, nous sommes en train de vivre sa grâce infinie, sa grâce imméritée, le salut et la vie éternelle, et nous prépare pour le dernier voyage. Notre futur est déjà garanti et assuré, car Christ reviendra chercher absolument son Église. C'est une vérité absolue et pourquoi pas même le superlatif relatif de la supériorité absolue. C'est certain. Mais vous avez la chance pour vous poser ces questions-là. Faites-vous partie de cet enlèvement? Ferez-vous partie de cet enlèvement? Est-ce que Jésus-Christ est toujours ressuscité dans votre vie? Ou il est toujours mort dans votre vie? Vous avez automatiquement la réponse. Et ne soyez pas avare et cupide à travers les événements, à travers ces événements inéluctables et confinés que vous faites face aujourd'hui. Oui, que vous faites face aujourd'hui. Les bouleversements que vous connaissez aujourd'hui. Mais soyez intelligents et éveillés comme les serviteurs de Dieu, comme il a dit dans sa parole dans 2 Timothée le chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a rien à craindre, qui n'a point à rougir, qu'il dispense droitement la parole de la vérité. Car Christ revient bientôt. Oui, c'est sûr. Christ revient bientôt. C'est l'accomplissement de la prophétie qu'il a annoncée. Je vous encourage à faire tous vos efforts pour être prêt pour l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et ayez une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant, espérant d'être avec vous à nouveau très prochainement. Merci. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Merci.